Eh oui, coucou les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Mister Grass, une chaîne exclusivement Lego 100% du jeu, comme d'habitude, bien entendu. J'espère que vous allez bien. Pour ce, nous sommes partis pour le mode Gwenpool au 100% et nous allons aller faire le niveau 3. Le niveau 3, c'est qui se trouve sur le château. Et je vous invite à nous rejoindre, à liker et à partager mes vidéos. Sur ce, on y va, c'est parti. Let's go. X, je libre. Gentilhomme valeureux de Chronopolis, moi, la belle Gwenpool, ai accepté le défi de guider les écuyers de Lego à travers toute leur périlleuse quête bonus, sacrebleu. Allez, je vais plutôt repasser en français moderne pour vous raconter l'histoire du roi Arthur et du dragon. Confortablement avachi. Alors c'est parti. Il était une fois le roi Arthur Pendragon, fort énervé à l'idée que les gens puissent douter de sa royalitude. Même s'il s'était bien tiré de l'épreuve de l'épée dans le rocher et que roi était son vrai prénom. Évidemment, Merlin lui disait « Calmos, votre Altesse, vous êtes un roi trop top. Tous les paysans vous adorent. » Mais sa royauté pensait « Peut-être, mais si je veux être un vrai roi à l'ancienne, il faudrait que j'arrive à abattre un dragon. » Mais les vrais dragons, ça court pas les rues. Heureusement, Merlin a une appli sur sa baguette qui localise les dragons proches à éliminer. Celui qui est dans la cave du château Gareth? Ça me semble un peu trop facile. C'est peut-être un piège. Même si ça l'est, ce serait quand même un super combat de boss. Et voilà les amis, nous sommes arrivés. J'espère que la cinématique vous plaît toujours autant. Donc là on a Merlin et le roi Arthur. Ah voilà, je peux bouger maintenant. Et on y va, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Bon, il n'y a rien de spécial. Alors, par contre, je ne sais pas si vous avez bien fait attention, mais voilà, nous avons la brique rose devant nous. Et voilà. Alors vous inquiétez pas, d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller chercher la brique rose. Et c'est parti, alors on va prendre Iron Man. Hein. Iron Man. Voilà. Vous le saviez déjà ? Hop. Alors si tu veux. Non ? Bon bah je vais prendre plus d'écart. T'es sérieux ? Ah c'est mieux. Et voilà, la brique rose de fait. Tu veux pas me laisser passer? C'est pas vraiment mon truc. Quelqu'un d'autre veut essayer? Alors, on va prendre Strange. Hein. Je sens que je vais vivre quelque chose d'étrange. Voilà. Alors pourquoi j'ai pris Strange et non Vision ou quelqu'un d'autre? Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui fait l'étoile d'araignée. De toute façon, je suis obligé de le refaire la deuxième fois. Voilà, ça c'est fait. Hop, j'ai besoin de ça. Et devinez qui est-ce qu'il y a derrière. Je me souviens. On l'a entendu, hein. C'était à l'école de médecine. Eh oui, c'est Stanley en danger. Hey, j'ai besoin d'un coup de main. Alors, les symboles, c'est la hache. La hache, elle est là. Après, il me faut... la couronne. Non, je me suis trompé. On recommence. À l'aide. Hop, on prend la hache et il faut le bouclier.
Voilà. Pour sauver votre général ici, les héros. Bah, maintenant, là, je fais le trouble l'hiver normalement. Excelsior. Non. Bah, il y a des radars sur les pièces, hein, quand même. Alors maintenant, par contre, là, il va falloir, c'est refaire directement. Ah. Il peut pas, donc il va falloir que je tourne moi-même l'horloge. Voilà, on la pousse à fond. Hop, et on y va. Sans manger les picots. Ah, ils sont sérieux? Voilà, je suis passé. Alors, je vous laisse apprécier d'abord. Alors, pourquoi j'ai pris Iron Man maintenant? C'est pour lui. Et de une. Deux. Et il faut faire la troisième. On a l'enchantresse. On va faire la deuxième. Ils osent s'opposer au maître des arts mystiques. Je leur souhaite bonne chance. Allez, boum boum. Ah, t'es sérieux? Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai besoin de Black Panther. Hop. Black Panther est encore prêt à frapper. Et là, devinez, qu'est-ce qu'on va débloquer? Ce qui manque plus qu'une chose, hein. Ah, bah dommage, il va me falloir repartir sur Iron Man. Et là... Et le personnage. Alors, une petite construction pour Strange. Allez hop, ça c'est fait. Là il me faut Marlin. Voilà. Bon allez hop, on y va, on fait directement. Hop. Hop, et voilà. Fini. En espérant que je ne meurs pas encore. Alors je le répète, hein, mais tout, dans tous les niveaux Gwenpool ou niveau gameplay, je prendrai l'élément en pièce, mais aucun brick x2. x4, x6 et x8 et x10. Allez hop. On va pousser là. Je prends de l'avance, hein. Allez, on va prendre de Squeezie. Il me dit qu'on peut changer. Bah allez. Hop, on ouvre ça. D'accord. Hop, on y va. Qu'est-ce qu'on a activé? Alors, ça c'est le premier. Il va falloir activer le deuxième maintenant. Hop, on active. À mon avis, ça c'est siège bleu, voilà. On construit ce qui manque comme plateau. Et on va pousser. Ah, on va changer de bonhomme. Alors je pourrais.
Voilà. Ah ouais, mais normalement tu l'avais attrapé hein. Non mais t'es sérieux? Allez hop, on y va, excusez-moi pour le petit désagrément, mais... Oh là, on a fait la deuxième. Très bien. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Mais maintenant, votre heure a sonné. Vous vouliez affronter un dragon? Je peux faire mieux que ça. Regardez! Allez hop, ça c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Je m'en rappelle plus. Oula. Ah ça y est, maintenant j'ai débloqué le dragon. On va construire. Allez, dépêche-toi avant que je meure. Alors, ça, je l'ai là. Hop. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Donc, j'ai le deuxième maintenant que je vais pouvoir faire. On y va. Si, en espérant que je ne meure pas. Allez, vas-y. Ah, c'est ce qui s'appelle le bouffon. Voilà. Et maintenant, il va falloir combattre l'enchantresse. Un dragon. Ah non. Mais il doit être heureux d'avoir annihilé cette sentinelle Kree, pas vrai? Maintenant, Arthur arrêtera peut-être de se poser trop de questions au sujet de sa légitimité et commencera à faire des trucs de roi, comme... saluer la foule, inaugurer des centres commerciaux, brûler des rouets... Des trucs de roi, quoi. Chapeau bas à Merlin aussi, pour avoir mis à mal Morgane. Il a porté de sacrés coups critiques à cette maudite UM. Quoi? U-M, ça veut dire utilisatrice de magie. Ma foi, vous devriez vraiment songer à renouveler votre vocabulaire des JDR. Et oui les amis, c'est déjà la fin de ce gameplay. J'espère qu'il vous aura plu hein, quand même. Donc là, nous allons voir ce qu'on a gagné. Alors, nous avons gagné le Troubou River. Nous avons gagné... Ah ça, je peux pas le passer, justement. Voilà, la brique rose qui est... Mode grosse tête. Excelsior! Le Stanley 2 débloqué. Le personnage qu'on a réussi. Et voilà. Je fais A. Je vous invite aussi à liker et partager mes vidéos si vous ne l'avez déjà pas fait, mes amis. Et sur ce, je vais acheter le personnage et je vais vous faire voir au pourcentage qu'on est. Voilà. Et. Non, c'est pas ça. C'était ça, voilà. Donc, au pourcentage, nous sommes à 57,5%, les amis. Et oui, 57,5% sur Lego Marvel Super Hero 2. Et nous avons 207 personnages de débloquer sur 236. Ça commence à arriver, mes amis. Sur ce, je vous laisse et je vous dis au prochain gameplay ou mode Gwenpool. Ciao !